Bonsoir, je vais vous solliciter d'abord à savoir si votre intérêt vous pousse à avoir des explications relativement à la situation engendrée par Patrice Pouyard lors de son intervention chez Bob le 12 septembre. C'est pareil pour les deux adversaires qui me sont opposés maintenant, c'est-à-dire ils disent quelque chose et qui ne fait que décrire soi-disant autre chose. Eh bien, je suis désormais non seulement accusé, sali, etc., mais encore dépossédé de mon travail par détournements successifs. Donc je vais brièvement exposer la nature de la méthode qui a été utilisée trois fois depuis. Il suffit simplement de récupérer l'argent des gens qui ont donné pour LRDP2 l'équateur penché en disant que l'auteur s'est rendu indigne et que par conséquent il faut le destituer afin d'y mettre à la place à ce film-là un autre film qui serait l'œuvre exclusive et solitaire de Patrice Pouyard. Son œuvre, d'après ce que j'ai compris, rassemblerait des images splendides faites sur des sites incroyables et les théories diverses et variées d'individus qu'il a pu, avec lesquels il a pu prendre contact parce que ces choses-là et ses adresses et ses personnages m'étaient passés par des gens qui ont pris contact avec moi pendant les tournées. Et donc c'était la troisième tournée qui commençait et j'ai pu évaluer le nombre de détournements de contacts à 70. Il y a notamment le vol d'une pyramide de bois, une pyramide démontable qui a été construite par un Russe avec lequel nous avons appris toute cette chose-là. Il la conserve par-devers lui depuis 4 mois et demi environ, sans qu'il ait répondu à quelques sollicitations. Il a suffi que nous mettions les pieds dans le plat pour qu'enfin il réponde. Ça n'est pas la seule chose, puisque par ce biais, c'est-à-dire en nous volant mes contacts, il a pu obtenir des traductions de Guizet 2005, évidemment qu'il conserve pour lui, pour en faire profit par l'édition de l'édite traduction. Cependant, il n'a pas les compétences linguistiques pour réviser quoi que ce soit, donc ça va mettre un certain temps. Ça, c'est le type de vol qu'ils organisent l'un et l'autre. Et encore, je fais immédiatement seulement part de ce dont on a appris l'existence lors de notre dernier passage à Bruxelles. Ensuite, ça, c'est la première substitution. Et on se légalise en quelque sorte, on se légitime en disant l'auteur c'est un pourri, il retient tout. J'ai montré grâce au travail de Didier une brève vidéo dans laquelle je montrais que Patrice Pouyard mentait, mais fortement, puisqu'il dit une chose et son contraire à 10 mois d'intervalle. Puisque non seulement il me vole moi, il me dépossède de mon travail et de l'importance de ce travail, c'est ça surtout qui me fait réagir. Et d'autre part, il s'approprie l'argent, pense-t-il, des ululeurs. Donc mon premier travail a été non pas de me défendre, me disculper des accusations diffamatoires, mais d'essayer de sauver ce qui peut l'être. J'ai conséquemment fait une lettre aux ululeurs. Elle a été suivie d'une lettre aux personnes qui organisent la tournée que j'avais entamée. Première chose, les mensonges font partie de la mentalité désormais de Patrice Pouyard et Adrien Moisson, qui se coalisent pour faire davantage de travail contre nous. Et le premier mensonge, c'est Adrien qui dit que j'ai mis un terme volontairement à cette tournée. On ne voit pas pourquoi j'aurais consacré 50 à 60 heures à ce travail considérable pour immédiatement l'arrêter sans préavis, ce qui ne me ressemble pas. Je suis un individu responsable, je viens de le montrer par la manière dont j'ai entamé la réponse. Et pour cette réponse, on me dit « il ne faut pas répondre aux trolls, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela ». Pour ma part, qui ai eu une éducation stratégique considérable, notamment par mes passages dans l'école de la guerre, n'est-ce pas ? Eh bien, je souhaitais dire qu'on ne peut pas travailler dans cette ambiance d'enfumage. On ne voit personne, on ne sait pas qui est vrai, qui est faux. Donc pour l'instant, je laisse passer la tempête qui ne pourra pas s'éterniser. Et je travaille à la deuxième partie, c'est-à-dire sauver la tournée. Et je fais remarquer que non seulement Patrice et Adrien me spolient, mais également volent le sujet de LRDP2 qui était destiné aux personnes qui ont payé. Ça, c'est le premier vol. Le deuxième, par substitution et détournement, de la même manière, c'est ce qui concerne l'argent des gens qui viennent à ma conférence et qui me font savoir par Internet qu'ils souhaitaient me voir et m'entendre, moi, sur le sujet qu'ils ont choisi. Donc, on résume ça à une situation de cette espèce. Donc, il est sûr que ça suscite d'abord l'étonnement sur la méthodologie, le dégoût pour la manière dont cette chose est mise en place. Et Bob s'est prêté à cette mascarade, à cette
espèce d'imbécilité qui consiste à penser que parce qu'on assassine en public quelqu'un, qu'on le lynche, on va avoir du buzz de l'audience. C'est vraiment un mauvais calcul. Et pour cela, j'ai fait une troisième lettre ouverte, celle à Bob Belanca. Mais je lui dois simplement d'avoir pu aider à deux choses. La première, à mettre à jour cette espèce de crise de palais qui est salutaire pour moi, puisque je me sépare de deux individus trafiquants. Et je dirais très simplement pourquoi, parce qu'on était à la quatrième tournée et la première tournée avait rapporté environ 25 000 euros de bénéfices. Quand j'ai demandé les comptes, on ne me les a jamais fournis. La deuxième tournée que j'ai faite, je n'ai pas eu de compte, la troisième non plus. Et celle-là, ça commençait sans compte ni contrat. Pas de contrat, pas de compte, pas d'assurance de quoi que ce soit, etc. La conséquence, c'est que comme Vesna venait aux conférences, ils ont pu l'accuser de détournement d'argent, alors qu'il faut être clair, pour ces conférences, nous, on n'a jamais rien touché d'autre que le produit de la vente de mes livrets. C'est donc mon travail qui me rémunère, qui rémunère ma famille, c'est-à-dire Vesna et moi, et non pas la récupération, qui est faite sans aucune légitimité par Patrice et par Adrien Moisson. Maintenant, il est possible que cette caisse soit mise à la disposition d'un film qui n'est pas celui qui a été déclaré en utilisant mon nom, ma notoriété, évidemment, à mon insu. Donc on voit quand même qu'il y a ici une manœuvre qui consiste à substituer une chose à une autre. Et donc on a substitué une conférence entre guillemets, c'est-à-dire l'autopromotion de Patrice Pouillard. Maintenant Patrice, et j'en donnerai la preuve photographique, procède par acquisition. D'abord, il était réalisateur, maintenant il est devenu conférencier, auteur, écrivain, et maintenant il s'attribue mon travail. En effet, sur un DVD vendu sur Amazon, c'est-à-dire au monde entier, on trouve le fait que Patrice Pouillard, auteur d'incroyables découvertes, a voyagé de part de monde. Mon nom n'est même pas cité, nulle part. Donc on voit que c'est une manœuvre que, si je devais l'accepter, me dépouillerait de mes droits et des vôtres à avoir une suite. Donc au terme, comme il n'a rien, parce que je suis l'auteur, c'est-à-dire la source des choses, il est obligé de se repositionner, de changer d'azimut. Et pour cela, il va raconter sa propre histoire, faire son autopromotion, savoir « je suis Patrice Pouillard, je suis auteur, je suis conférencier, j'écris des livres, je fais des diaporamas, etc. » sans préciser que ce sont les miens, ni pour les textes, ni pour les images, ni pour quelque chose, et ma participation est évidente dans les livres. Mais lui, il a le chéquier, la carte bancaire, et il fait ce qu'il veut de l'argent des ululeurs. Donc il a les moyens de paiement. Et en plus, il thésaurise le matériel. Il en a chez lui pour plus de 20 000 euros de matériel, et notamment tout ce qui permet de filmer, d'enregistrer, de droner, et pose Patrice comme un dictateur. Non seulement il a l'intention de tourner les choses à son avantage, mais au mépris des textes qu'il signe. Actuellement, donc, il n'est pas capable d'avoir une chaîne des droits. Donc le film LRDP2 me revient entièrement. J'ai donc pris contact, et c'est pour ces raisons que j'ai pris contact, avec un vrai producteur, quelqu'un qui est connu dans le monde entier, qui a une célébrité dans le métier totalement incontournable, travaillé avec Ridley Scott, qui a travaillé avec Luc Besson, etc. Des gens de cette... voilà. Lorsqu'on était dans l'avion de retour vers la France, Patrice a exigé de tout le monde que l'on fournisse toutes les images et toutes les vidéos tournées là-bas. Ce qu'on a fait parce qu'il nous disait, voilà, ça me permet déjà de mettre en forme le film. En réalité, ça lui a permis de thésauriser l'ensemble. À ce jour, je n'ai pas une seule photo, ni un morceau de vidéo de ce voyage. Je vous annonce que j'ai repris mes droits auprès de mon éditeur, qui m'a fait très bonne impression. Vesna était là. Il nous a suivis dans le couloir pour nous remercier de la confiance qu'on avait mise. Il m'a dit surtout, si vous avez un autre bouquin, n'hésitez pas, je suis là, etc. Bon, ça veut dire qu'il s'est, cassé les pieds avec un contrat qu'il ne pouvait pas honorer pendant quasiment 5 ans. Et au terme, il est content que je le soulage de cela en me disant, j'espère que vous allez faire produire votre livre comme vous voulez.